My name is Rosanne Henriques, and I am a senior lecturer in plant genetics at University College Cork. My research is to understand how plants grow and develop accordingly to their environment. It is my first time in Togo and Western Africa. L'arrivée de Rosanne ici est importante parce que j'ai appris dans son labo et je pense que c'est évident qu'elle aussi, elle arrive pour pouvoir voir les conditions dans lesquelles nous travaillons ici. La collaboration avec Dr. Rosanne Henriques a commencé depuis un an et demi à travers Agropolis, une fondation en France qui a financé les recherches que j'ai faites dans le laboratoire de Dr. Henriques dans le cadre du programme One Planet Fellowship. Mes recherches portaient sur la caractérisation génétique et physiologique de certaines variétés de riz sélectionnées en Afrique de l'Ouest sous le stress hydrique. My lab, we do not work directly with rice, but we work with plants of the same family as rice. So we had already some expertise in doing the molecular work. So Kossi, when he came, for us what was interesting was the fact that he was bringing plants that had been bred here in Togo. J'ai d'abord quantifié certains gènes qui sont tolérants à la sécheresse dans mes variétés de riz que j'ai apportées là-bas. We could share with Kossi the knowledge we had in terms of molecular biology, but at the same time, we could see in the lab how plants are developed that were bred here. So we wouldn't have access to this kind of material if we wouldn't be collaborating. En réalité, ce programme One Planet Fellowship a apporté beaucoup. Pour Kossi, je pense que cela a contribué aussi à l'édifier davantage sur ses travaux de recherche. Sur le plan de mentor, moi je l'ai aidé à peaufiner un programme, que ce soit les formations, comment on peut rédiger un article, comment on peut soumettre des articles. Je crois qu'il a si bien écouté. Ça nous a permis également de développer des partenariats avec d'autres chercheurs de la sous-région et aussi de l'Europe. Ça fait que nos laboratoires sont aussi connus. I've been visiting a lot of labs. It has been great because there was really, I'm really grateful for the people here at the university and Kossi as well and his mentor, Professor Komi Agboka. So they showed me really around the place. I could see a lot of different research and also to go to the field. I found that really, really interesting. We were discussing with farmers. That is something which I've done in Ireland, so I could compare how it is to interact with farmers in different countries. We also went to the agricultural research station, so we could also talk with colleagues that are doing research in agriculture, so to see how they do their work, and then also to see plants growing here, which I wouldn't see in Ireland. We were already ensemble with the University of Lomé and the University College Cork. C'est quelque chose qui commence comme ça. Et avec l'arrivée de Rosanne ici et les discussions qu'on a eues avec elle, on s'en promet déjà les débuts de collaboration et les perspectives de collaboration dans l'avenir.